Autre commune comme Saint-André-des-Eaux, Saint-Lifer, La Chapelle-des-Marais, Trignac, Saint-Malo-de-Garsac, Bordes-le-Marais comme nous. Là, alors on remonterait le temps, quelques siècles en arrière, hein. Au tout départ, la route, les ponts qui relient ces îles entre elles n'existaient pas. Le moyen de locomotion de ces gens, à l'époque, les hectares, c'est plus des... Oh là, vous voyez, là, c'est un mètre carré. Là, c'est à perte de vue. Sur la commune de Trignac, au lieu dit, le pont de paille. Elle date début 1900. Elles ont un siècle, en gros, quoi. Les plus anciennes, ce seront celles... Alors, on va finir là-dessus tout à l'heure. Juste avant, dans mes balades, j'essaie de vous montrer toujours un petit peu la pêche. Alors à cette saison-ci, je vous montre ce système de pêche. Il n'y a pas grand-chose dedans. Ben, ça finit, là. Le coup est donné, là. Bon, ça, c'est la nasse qui est conçue pour pêcher l'anguille. On l'appellera une bosselle. L'anguille, elle rentre par cet entonnoir, se faufile dans le cône, dans le pêchon, puis une fois qu'elle s'est enfilée là-dedans, ne peut plus ressortir, et à l'aide du bouchon, on enlèvera le produit de la pêche, oui. Alors, grillage plastique actuellement, 40 ans plus tôt, cette même bosselle était conçue en osier. C'est devenu des pièces de musée. Je les ai vidées hier soir. Hein. Alors, cette nasse à poisson, on l'appellera une louve. Alors, schématiquement, pour décrire ce piège, et le chasseur se glisse avec son chaland à l'intérieur pour s'y camoufler. D'accord ? Là, pour l'histoire de l'ibis, avant de parler de... Il y a un rat qui nage là-bas. Ah non, ça c'est l'ibis, non ? C'est cela, monsieur. Ah ben, j'avais même pas vu qu'il y en avait d'autres derrière. On va grouiller, d'ailleurs. Il va y avoir des éclats. C'était des sorties qui s'accueillaient. Il faut du dégâts, oui, dans la bruyère. T'as mieux que lui prendre d'avoir. Hein.